Comment déverrouiller son succès sur YouTube sans faire du contenu de merde? Salut à toi, c'est Mathias. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va aborder, en gros, la création de contenu. Voilà, comment créer du contenu qui va intéresser les gens, qui va permettre de fidéliser une audience qui te fera confiance, et comment éviter le piège de créer du contenu qui va attirer la masse, une masse qui va pas finalement pas te faire confiance et qui va pas t'attribuer beaucoup de crédit. Voilà, comment avoir une vraie audience, une vraie communauté qui te suit et qui te fait confiance. Donc voilà, je t'invite à écouter ce podcast où tu veux, voilà, mets-toi bien, voilà, assis-toi dans ton canapé ou mets-toi sur ton lit, ta chaise de bureau, tu peux aussi m'écouter dans les transports en commun. Enfin bref, où que tu sois, je t'invite à écouter ce podcast parce que je pense qu'il va être intéressant. Donc voilà, tu vois, depuis toujours en fait, il y a du contenu aguicheur sur YouTube, tu vois, il y a toujours eu des pranks, du contenu sans valeur, sans intérêt. Les challenges aussi, voilà, tous les contenus en gros qui font à peu près rire les moins de 15 ans sur YouTube. Et le pire, c'est quand il y a des modes, tu vois, et quand tout le monde s'amuse à reprendre les mêmes concepts, à suivre les mêmes modes, à faire les mêmes contenus pour surfer sur la tendance et espérer grappiller quelques vues, comme pour gagner un peu sa part du trésor du butin, tu vois. Et ça, il y a rien de pire. Je déteste ça quand il y a des espèces de modes, tout le monde fait les mêmes vidéos. C'est terrible, en fait. Je déteste ça. Et on peut assimiler aussi les vidéos réactions. Enfin, tu vois, un peu tout ce genre de trucs faciles à faire que tout le monde fait. Et donc, c'est les vidéos les plus à chier qui marchent le mieux sur YouTube. Voilà, j'ai constaté ça, tu vois. Je faisais des podcasts avant, je me cassais le cul, excuse-moi pour l'expression, mais à faire l'écriture, à tourner la vidéo, voilà, je passais des heures pour pas de résultat. Et à côté, je voyais des connards, tu vois, clairement, excuse-moi pour le terme, mais qui faisaient une petite vidéo de 10 minutes où il congelait l'iPhone de sa sœur et il faisait des millions de vues. Et moi, je comprenais pas. Et enfin, bref. Donc, tu n'as pas besoin, en gros. Les vidéos, oui, voilà, je m'étais un peu perdu, mais en gros, c'est les vidéos les moins travaillées qui marchent le mieux. Donc tu te rends compte qu'au final, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de montage ou d'apporter de la valeur pour faire passer un message, tu vois, parce que tant que c'est con et drôle, avec des miniatures aguicheuses, ça marche, la preuve, avec les pranks et tout. Et donc, il y a toi, parmi la masse, qui essaye de faire un contenu qui te représente. Tu t'y attaches, voilà, donc t'attaches de l'importance à ton contenu, t'y accordes du temps, que ce soit sur le montage, voilà, dans l'écriture, dans le tournage, tout est calculé, voilà, tu fais un contenu que t'adores, qui te représente, et donc tu le travailles beaucoup. Mais après tant d'efforts, ta chaîne ne décolle pas, et la concurrence face au contenu sans intérêt que YouTube préfère mettre en avant ne voit toujours pas le jour. Donc voilà, c'était un peu mon cas, tu vois, là je te résume un peu ma situation. Donc fatigué de tous ces efforts, tu te décourages, et tu essayes toi aussi de congeler l'iPhone de ta sœur dans le frigo pour attirer et faire rire une bande de gosses de 13 ans pendant 5 minutes 30. Et donc, tu as fait 100 000 vues et tu as gagné 1000 abonnés, bravo. Donc là, en gros, t'es dans le cas où t'as cédé un peu à la mode actuelle, à la tendance actuelle. Donc t'as cédé au prank, et donc t'as essayé de faire comme les autres. Ça a marché très bien, t'as 100 000 vues, t'as gagné 1000 abonnés. Mais YouTube, en fait, t'a piégé. Tu vois, YouTube t'a piégé un peu comme une souris à qui on aurait donné un bout de fromage, en fait. Tu te rends compte que tes abonnés ne t'écoutent pas, n'écoutent pas tes vidéos auxquelles tu apportes de l'importance, ils ne comprennent pas ton contenu et t'insultent et quittent ta chaîne. Parce qu'en fait, ils comprennent pas pourquoi tu fais ce contenu. En fait, tu t'es adopté à la mode sur YouTube et t'as essayé de reprendre un peu ton fil conducteur avec tes idées, ta propre philosophie. Et ça, les abonnés qui sont abonnés pour le prank que tu avais fait ne le comprennent pas. Et donc, tes abonnés ne t'écoutent pas pour ce qui te passionne, pour ce que tu es, pour ce que tu aimes faire. Et tu es découragé et tu laisses place aux influenceurs prankeurs à deux balles qui raflent les trois quarts du marché sur YouTube. Donc voilà, en gros, clairement, avec cette petite intro, je voulais te faire comprendre une chose. C'est que YouTube, ça dépend, c'est une question d'offre et de demande, en fait. YouTube, il faut le voir comme un marché. Et dans le marché, tu sais très bien qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Voilà, le marché, c'est le marché, c'est tout. Si ton contenu plaît pas, il plaît pas. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 90% de l'offre sur YouTube se fait en fonction de 90% de la demande. Donc, en gros, s'il y a autant de contenu éclaté, si autant de grands YouTubeurs font du contenu pourri, sans intérêt, sans valeur, qui t'apporte rien et qui t'apporte que du divertissement instantané, aussi stupide soit-il, tu vois, comme congeler l'iPhone de sa sœur, tu vois, j'ai déjà vu des pranks comme ça, enfin bref. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les gens, en fait. C'est de la faute des gens s'il y a du contenu de merde sur YouTube qui marche. Parce que les gens aiment la merde, clairement. C'est ça. Parce que, par exemple, je sais pas, tu vas pas acheter... qu'est-ce que je pourrais te dire comme exemple? Tu vas pas acheter des concombres au magasin si t'aimes pas les concombres, tu vois, c'est logique.
Si t'aimes les concombres, tu vas en acheter. Bah, c'est pareil sur YouTube. Si t'aimes la merde, si t'aimes regarder des contenus sans intérêt, il y aura des contenus sans intérêt. Parce que les youtubeurs vont se positionner en fonction de la demande, en fonction de ce qu'aiment les gens. Les youtubeurs vont pas faire des vidéos que les gens n'aiment pas, sinon leur chaîne ne va pas marcher. Donc en fait, ils font ce qu'aiment les gens, et les gens, la preuve, c'est un public assez jeune, la majorité sur YouTube, faut le comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de vidéos sans intérêt. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est que toi, si tu veux réussir sur YouTube, sans aimer ce contenu, sans intérêt, à faible valeur ajoutée, bah en fait, il va te falloir adopter une autre stratégie. Ton but, ça va être de viser les 10% de la demande restant. Tu vois, les 10% de la demande, en gros, comme moi, par exemple, qui n'aime pas le contenu proposé sur YouTube. Tu vas devoir viser ces personnes-là, en leur proposant 10% de l'offre. Et donc, peut-être qu'en visant 10% de la demande restante, tu vas réussir à les captiver avec un contenu qui va leur plaire à eux, et qui va pas plaire à la masse. Et donc peut-être que tu es dans le cas que je viens de te décrire au-dessus, j'ai été aussi dans ce cas. Et donc clairement, c'est quoi le but de ce podcast ? À travers ce podcast, je vais te montrer qu'il existe une autre solution si tu veux réussir à trouver une audience et vivre de ton contenu en gros, sans avoir des milliers d'abonnés et des milliers de vues. Aujourd'hui, je suis persuadé, j'en suis convaincu, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour pouvoir vivre de ta chaîne. Tu n'as pas besoin de générer 20 000 vues à toutes tes vidéos pour pouvoir vivre de ta chaîne, il suffit d'adopter la bonne stratégie. Sans subir au mode passagère et stérile de YouTube, tu vois, sans céder aux tendances. Il va falloir que tu développes ton style, quelque chose de fort, d'emblématique, quelque chose qui dure sur le temps, tu vois. Et donc, tu te demandes sûrement s'il faut forcément se conformer aux tendances actuelles de YouTube pour réussir. Bah, je viens de te démontrer que non. Et je vais te prouver que tu peux avoir une petite audience et gagner ta vie avec YouTube. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de faire des pranks ou des podcasts sur l'acné pour réussir. Et donc, je vais te raconter une petite histoire, tu vois. Je vais te raconter une histoire que j'ai moi-même écrite et qui va illustrer un peu ce phénomène. Et donc, l'histoire se déroule au XIIe siècle au Moyen-Âge, dans la forteresse du nord de Winterfell. Un jeune garde nommé Jon Snow hérite de son oncle décédé. Il devient l'un des hommes les plus riches de la contrée tout entière, au-delà des murailles du château. Il était apprécié pour sa générosité, mais aussi pour ses connaissances et son charisme. Et donc il organise des banquets faits à son honneur et invite toute la cité qui se réunit autour de deux grandes tables longues de bois ornées chacune de cochons de lait et de sangliers grillés payés par ses propres frais. Il régalait tout le monde et ne comptait pas son argent. Mais un beau jour, la neige tombait fortement sur Winterfell, recouvrant les toits. Le vent soufflait tellement fort qu'on l'entendait siffler contre les murs de pierre. Le seigneur de Winterfell, père de Jon, est condamné à mort. Jon, impuissant face à cette nouvelle, voit l'arrivée au pouvoir d'un nouveau roi qui le prive de toute sa fortune justement héritée. Il n'avait plus rien, on ne lui accordait plus d'importance. Les gens à qui il avait payé de nombreux banquets, à qui il avait parlé tous les jours, ceux qui l'acclamaient, ne prenaient même plus la peine de le regarder ou de le saluer. Il n'avait plus que quatre amis, qui malgré sa pauvreté, continuaient à lui parler, à lui faire confiance et à le suivre. Et pourquoi à ton avis ? Parce qu'ils étaient seulement intéressés par la personne, par ses valeurs, par ses connaissances, ainsi que par son état d'esprit. Ils l'appréciaient pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il avait. La morale de l'histoire ici, que je voulais te faire passer, c'est que Jon, en fait, il avait beau vouloir satisfaire la masse avec sa richesse et ses connaissances, quand il a perdu tous ses biens, en fait, et son argent, seules trois personnes ont continué à le suivre pour ce qu'il était. Et en gros, cette morale, tu vois, on peut l'appliquer à la création de contenu. C'est exactement la même chose. Tu n'es pas obligé de satisfaire la masse en survivant sur la tendance avec un contenu attrape-tout qui ne te correspond pas pour réussir et pour vivre de ta chaîne. Tu ne cherches pas à avoir plus d'abonnés et avoir plus de vues possible. Tu ne cherches pas à avoir le plus de vues possible, c'est ça le truc. Ce que tu cherches, toi, c'est des abonnés qui s'abonnent pour le message, pour la philosophie que tu fais passer à travers tes vidéos à ton audience. C'est des abonnés qui seront présents à chaque fois que tu vas sortir un nouveau contenu et qui vont te gueuler dessus quand tu oublies de publier. C'est des abonnés qui te feront confiance et qui seront prêts à acheter tes produits. Ton contenu, il n'est pas réservé à tout le monde, mais à une minorité qui sera unique et qui te fera confiance. Tu ne cherches pas la quantité, tu cherches la qualité. Tous les abonnés ne se valent pas et ça, tu dois le comprendre. C'est pas parce que tu as une chaîne à 100 000 abonnés que ces abonnés sont aussi qualitatifs que les tiens. Tu peux avoir une chaîne à 1000 abonnés et faire 500 vues par vidéo et tu peux avoir une chaîne à 100 000 abonnés et faire 500 vues par vidéo. Ça ne veut rien dire. Et donc, ça implique quoi ? Ça implique trois choses. Ça implique que tu dois trouver une thématique. Ça implique que tu apportes de la valeur aux gens, que tu dois régler leurs problèmes, leur apporter des solutions et ça implique que tu tiennes sur la durée et tu tiennes cette habitude sur la durée de publication pour créer une habitude chez les gens. Et donc cette stratégie va te permettre d'avoir des abonnés de qualité qui vont te suivre pour ce que tu es. Tu vois, je vais utiliser une petite métaphore pour illustrer un peu ce que je veux te dire. Par exemple, en été, tu vois, peut-être que tu achètes des melons
et tu les pèses avec ta main pour voir s'ils sont bons, tu vois, ou t'as peut-être vu ta grand-mère ou ta mère faire ça. Et donc, en fait, tu pèses le melon pour voir s'il est bon. Donc ça veut dire que tu vas pas acheter tout le cajot de melon pour être sûr d'en avoir un bon, en fait. Tu vas pas acheter tous les melons pour être sûr d'avoir des melons bons, qui soient bons. Tu vas sélectionner les meilleurs melons pour que ce soit moins cher, c'est logique. Tu me diras, tu vas pas acheter des melons... tu vois, tu vas pas acheter 15 melons à, imaginons, 10 euros, tu vois, alors que tu peux en acheter 2 pour 3 euros. Ça me paraît logique. Et donc, c'est pareil pour la création de contenu. Tu vas sélectionner directement les meilleurs abonnés sans viser la masse qui te sera inutile et nocive. Parce qu'en fait, la masse, elle sera là, mais elle va commenter... elle ira commenter dans tes commentaires sans forcément s'intéresser à ton contenu, sans débattre. Voilà, elle va t'apporter des avis négatifs. Elle sera pas concernée par ce que tu dis. Et donc, ça ne sert à rien. Et donc, tu vas sélectionner les abonnés en abordant une thématique bien précise. Tu vas sélectionner tes abonnés grâce à la thématique. Comme quand tu sélectionnes tes melons, en fait. Enfin, je sais pas s'il fallait dire ça, mais bref, j'espère que tu m'as compris. Et donc, ce que tu ne dois absolument pas faire, c'est faire du contenu sous l'influence de la mode, de la tendance. Tu ne dois pas suivre les tendances sous prétexte que tu feras plus de vues. Tu dois garder une ligne de conduite. Tu dois garder une stratégie sur la durée. Définis-toi un style sur la durée. Un style de vidéo avec des idées, avec ta propre philosophie, avec des concepts propres à toi. Ne fais pas du contenu pour faire plus de vues, mais pour aider les gens. C'est ça que tu dois comprendre. Tu dois aider les gens. Et quand tu aides les gens, tu leur apportes une valeur qu'ils vont te rendre, en fait. Et donc, ne fais pas du contenu qui plaît à tout le monde. Je te conseille de faire un contenu qui polarise. Voilà, affirme tes idées, n'aie pas peur de déplaire. Quelqu'un qui déplaît, c'est quelqu'un qui se met des gens à dos, mais qui se met des gens dans son côté, qui se met des gens dans sa poche. Et généralement, quand tu polarises quelque chose, ça veut dire que t'as un avis bien tranché. Et les gens, généralement, ils aiment bien ça. Généralement, ils aiment les gens qui ont un avis tranché. Et ça va te permettre d'attirer les gens qui ont le même avis que toi plus facilement. Alors que si t'es entre les deux, si t'es jamais sûr, si t'as pas un avis tranché, tu risques d'attirer personne. Donc voilà, soit faut que ton contenu soit engagé, qu'il polarise. Peu importe si tu déplais à des gens, ton but ce n'est pas la masse, ton but c'est la qualité, c'est les abonnés qui vont te suivre. Et donc je vais te présenter les étapes qui mènent à cette solution. Donc les étapes, je te les ai à peu près dites. Donc c'est de trouver une thématique peu concurrentielle si possible, en rapport avec tes passions, tes goûts, ce que tu aimes faire dans la vie, voilà, les sujets qui t'intéressent. Et en gros, tu vas devoir essayer d'aider les gens à résoudre leurs problèmes à travers ta thématique, à travers ce que tu abordes sur ta chaîne YouTube, voilà. Ton but, c'est d'aider les gens, à passer des obstacles, à résoudre des problèmes. Et donc, pour ça, tu vas devoir faire du contenu à fréquence élevée et sur la durée. Tu vas devoir publier beaucoup et longtemps. Si tu fais ça, tu vas créer et fidéliser une audience qui aura les mêmes centres d'intérêt que toi et qui te fera confiance, qui va savoir que tu te donnes à fond pour ça. Et donc, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être de vendre des produits qui vont répondre aux besoins de ton audience. Et ton audience, en fait, si elle consomme ta partie gratuite, en gros, si elle consomme ton contenu gratuit qui est sur ta chaîne YouTube, donc ta chaîne YouTube, c'est un outil pour proposer ta vitrine, en gros, ta YouTube, c'est ta vitrine un peu, ta chaîne YouTube, c'est ta vitrine dans laquelle tu vas proposer du contenu gratuit, et ce contenu gratuit va pouvoir potentiellement pousser tes abonnés à accéder à la partie premium, donc qui est la vente de formation pour aller plus loin. Et c'est généralement l'avantage d'avoir une communauté soudée, d'avoir des gens qui te suivent, qui te font confiance, c'est que ces gens-là, ils vont te faire confiance pour payer ta formation. Ils vont savoir que tes conseils, c'est de la qualité, ils vont savoir ce que tu vaux vraiment, ils vont savoir que tu as des idées précises, des idées claires, et que vous avez les mêmes centres d'intérêt. D'où l'importance de ne pas viser la masse, mais de viser une audience précise avec des problèmes précis à résoudre. Donc voilà, pour tirer une petite conclusion de tout ça, ne vise pas la masse, vise seulement... les thématiques importantes, les thématiques qui te concernent. Voilà, trouve des sujets dans lesquels tu vas pouvoir t'exprimer et tu vas pouvoir aider les gens. Fais un contenu à fréquence élevée sur le long terme, vends des produits et ne subis pas les modes, ne suis pas les tendances. Voilà, ça va te mener à ta perte. Tu vas attirer des gens qui ne vont pas être intéressés par ce que tu dis et ton contenu, il est rare, il se mérite. Et pour ça, c'est les gens qui méritent d'écouter ton contenu qui vont l'écouter. Et donc voilà, c'est clairement ce modèle qu'il faut adopter. Donc si tu verras que si tu fais ça, tu vas réussir à développer une audience qui te fera vraiment confiance, une audience qui va être prête à dépenser de l'argent pour toi. Et donc si tu appliques les trois conseils que je viens de te donner, donc trouver une thématique, faire du contenu à fréquence élevée et sur long terme et vendre des produits, tu vas t'attirer une audience qui va te faire confiance, à qui tu vas pouvoir vendre des produits. Et tu n'auras pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour gagner ta vie sur YouTube. Tu gagneras même peut-être mieux ta vie
avec 1000 abonnés, mais 1000 vrais abonnés, qu'un YouTuber avec 100 000 abonnés, mais 100 000 abonnés qui regardent son contenu par-ci, par-là, sans être vraiment engagé. Nous, ce qu'on cherche, c'est une audience engagée qui va te faire confiance, et tu verras que ça, ça vaut tous les abonnés du monde. Ce qu'il faut, c'est trouver ses vrais abonnés. Voilà, j'espère que tu as compris un peu mon message. En tout cas, tu réussiras si tu appliques tout ça. Crois-moi, il faut juste que tu trouves ta thématique, et tu verras que ça ira tout seul. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tu as compris un peu ce message. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un peu une expérience personnelle aussi, tout ça, je l'ai vécu, tu vois. C'est un peu une expérience que j'ai tirée de mon parcours sur YouTube, étant donné que je faisais beaucoup de podcasts étant jeune, vers mes 14-15 ans, tu vois. Et je voyais que ça marchait pas et je comprenais pas. Mais en fait, tout est une histoire de demande et d'offre. Et si ton offre n'est pas adaptée à la demande qu'il y a sur YouTube, tu ne réussiras jamais, malheureusement. Mais tu n'es pas obligé de faire une offre qui est pourrie pour satisfaire une demande pourrie. Il y a toujours une demande qui te correspond, une demande minoritaire qui veut des vrais conseils, qui veut des vraies vidéos, qui veut qu'on résoudre ses problèmes sans faire des pranks, sans faire des vidéos inutiles qui ne servent à rien, qui n'ont pas de valeur et qui ne te représentent pas. Voilà, je vais y arriver. Donc tu peux faire ce que tu aimes sur YouTube. Il te suffit juste de trouver les bonnes personnes et de prendre la bonne thématique. Voilà. Pour ce petit podcast, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire, à me poser des questions. N'hésite pas à me dire ce que tu penses des podcasts aussi. Moi, j'aime beaucoup ce format. C'est un format qui me permet de prendre un peu de liberté, de m'exprimer plus facilement. Donc voilà, à l'avenir, je pense que j'en ferai toujours et je vais peut-être augmenter le rythme de podcast parce que j'aime beaucoup ça. En tout cas, voilà, c'était Mathias. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, demain 9h, j'espère que tu seras présent. D'ici là, porte-toi bien. À très vite.